Je suis pas si mauvais que ça. Je sais bien qu'on est des détenus, mais enfin, on est des malades aussi, genre. J'en ai vu dans des états. Il reste quand même en prison parce qu'il ne trouve pas de structure. On est des êtres humains, hein. J'étais à la rue. Ici, c'était, pour ainsi dire, mon dernier espoir. L'institution pénitentiaire est un peu confrontée à ce défi du vieillissement de la population pénale. Où nous avons de plus en plus de personnes âgées et ou dépendantes. Hein, souvent d'ailleurs, les deux vont ensemble. En attendant, ils restent chez nous parce qu'ils ne sont plus aptes à retourner en détention. Hein, et ils sont, pour un certain nombre, incompatibles avec la détention. Et donc, c'est nous qui allons instruire l'ensemble du volet médical, du volet social et du volet pénal. Nous, en tant qu'hôpital, on n'est pas censé donc, accueillir les gens sur de très longues durées. Donc, on doit trouver une porte de sortie aux patients. Et généralement, on fait des certificats médicaux pour attester de l'état de santé du patient qui vont permettre par la suite une remise en liberté. Elle est parfois excessivement longue. Hein. Elle peut parfois être de 4-5 ans, hein, puisqu'il y a des gens qui, effectivement, ont un dossier pénal pas particulièrement agréable, voilà, et vendable, voilà, et donc on a aussi une véritable problématique à la fois judiciaire, hein, mais on a aussi une problématique pour trouver des structures d'aval qui nous permettent d'accueillir cette population tout à fait particulière. C'est nous qui sommes impliqués dans leur repérage complet dès le premier examen, dès le premier entretien. En fait, dès qu'une personne âgée dépendante rentre, on se demande quand et comment va-t-elle pouvoir sortir. Le début de l'incarcération s'est mal passé, donc il a vite perdu ses capacités de déplacement, donc il est vite devenu dépendant en détention. Il est dans nos lits et là, on lance une procédure de remise en liberté, donc on doit lui chercher une structure qui est adaptée pour son état de santé. J'étais en pleine dépression. Donc. J'ai été incarcéré, puis il y a les docteurs qui ont trouvé. Les derniers temps, je me laissais aller complètement, donc je me négligeais. Et donc j'avais chopé un microbe et tout, alors ils m'ont. Ça n'a pas été si mal que ça, parce qu'ils m'ont trouvé des tas de choses que je n'aurais pas retrouvées d'habitude. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il est hospitalisé dans cet établissement, donc on a pu le suivre. On a pu voir la perte d'autonomie qu'il est en train de subir, liée à l'âge, mais aussi à l'isolement. J'ai plus personne ici. J'ai perdu, j'avais 3 sœurs, je les ai perdues toutes les 3. Le reste de la famille ne me parle pas, donc laissons tomber. Effectivement, le lien avec la famille, moi je trouve que c'est vraiment double peine pour une personne âgée dépendante. On se demande pourquoi est-ce qu'ils sont ici alors qu'ils sont déjà enfermés, ils sont déjà dépendants, ils pourraient être mieux dans une maison de retraite, à l'extérieur, ils seraient mieux accompagnés. Les détenus sont isolés la plupart du temps, donc effectivement, leur sortie est un petit peu conditionnée à ce qu'on va trouver. L'assistante sociale s'est beaucoup occupée de moi, elle a un dossier comme ça sur moi et tout, et elle m'a dit, vous ne pouvez pas retourner chez vous. Monsieur, vous pensez il y a encore quelques mois qu'il pouvait encore grimper sur son vélo et reprendre sa vie d'avant. Là, il a fallu vraiment essayer de lui faire comprendre que ce n'était plus possible, même si on comprend qu'il en a envie, mais il y a une réalité physique. Allez-y, entrez. Je vous en prie, installez-vous, comme d'habitude. Voilà, par là. D'accord. Donc on a eu une réponse positive pour la maison de retraite, mais qui se trouve en Saône-et-Loire, dont on vous avait parlé. Ouais. D'accord. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque pour votre passage donc en débat contradictoire le 31 mars, pour la demande de libération conditionnelle, du coup,
on pourra amener cette pièce et ainsi donc indiquer à la justice qu'on a un lieu dans lequel vous pourrez aller. Oui. Voilà. On a eu une acceptation au sein d'un EHPAD. Donc là, c'est le volet judiciaire qui va, de la justice, donc qui va prendre le relais. C'était en route, elle a dit, j'ai une bonne nouvelle, vous allez aller. Elle a confirmé que j'allais bien en EHPAD là, c'était pas sûr. Avoir une place en EHPAD, avoir la promesse donc, d'admission d'un patient en EHPAD, peut pousser le juge pour, à le remettre en liberté. Aujourd'hui, les magistrats nous ont facilité la tâche en nous accordant des suspensions de peine pour raison médicale. Un vrai dossier d'une procédure criminelle, long, complexe, avec vraiment ce qu'on appelle un pas beau dossier, quoi. Au bas mot, aujourd'hui, en 9 mois, on le règle. Et voilà, monsieur, je vous dis à bientôt. C'est terminé. Allez, passez une bonne fin de journée. Au revoir. Allez, au revoir. Merci, collègue. Le blocage, il vient vraiment d'arriver à convaincre des EHPAD à prendre nos patients. Avec une vraie difficulté pour les EHPAD, hein, c'est qu'il y a un problème de financement. Il faut quand même savoir que les EHPAD, c'est des financements qui sont gérés par les départements. On va, nous, des fois, en province, chercher les places d'EHPAD. Il y a de toutes les situations. Maintenant, on travaille vraiment sur tout le territoire. Mais c'est vrai que nous n'avons pas de partenariat encore. Même si ça va bien fonctionner pour un, on va les rappeler derrière, ils vont nous dire « mais on ne va pas vous prendre 4-5 sortants de détention, on ne va pas regrouper ». Donc on appelle les structures en parlant au cadre de santé souvent pour expliquer la situation. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre, parce qu'il s'agit bien de ça, convaincre les maisons de retraite de recevoir, d'accueillir un de nos patients détenus. Si elle n'avait pas été là, j'avais rien. Non, là, ouais, c'est bien occupé, moi. Ouais. Comment allez-vous aujourd'hui? Tout va bien. Ça va, vous n'avez pas mal? Non, pas mal. Une orientation sur une structure médicale ou une structure de type EHPAD, elle nécessite impérativement l'intervention d'un médecin avec des données médicales extrêmement précises, puisqu'il ne s'agit pas de vendre une personne détenue en faisant croire qu'il va bien physiquement. Non, il faut qu'on ait un diagnostic objectif. Il y a plusieurs examens biologiques et examens cliniques qui sont faits au quotidien, qui ne laisse pas de doute par rapport à la situation donc, médicale du patient. C'est aussi un travail en équipe. On va beaucoup s'appuyer sur les ergothérapeutes, les kinés, la diététicienne, l'orthophoniste. C'est vraiment un bilan qu'on fait petit à petit pour vraiment étudier et adapter la prise en charge au patient. On ne va pas demander de mise en liberté si on pense qu'il y a une dangerosité avérée. Ensuite, leur promettre qu'il n'y aura jamais de gestes déplacés de la part de ces personnes âgées avec des troubles cognitifs, ça, je ne peux pas le promettre, mais je pense qu'ils en ont l'habitude. Plus largement, on a quand même chez les personnes âgées de plus en plus de gens qui aujourd'hui ont des troubles cognitifs de type Alzheimer ou autre. Et la problématique, c'est que cette maladie, à un moment donné, altère leur discernement hein, et qu'il n'y a plus de sens à la peine. Ils ne savent plus pourquoi ils sont là. Ils ne se souviennent plus d'ailleurs de ce qu'ils ont fait. Et je me demande si tu es près de feu. Et je me demande si tu es du cheveu. Si tu as dit les mots que tu m'as dit, et tout, seul, ne pouvant rien changer, je suis gardé comme un saint malheureux. Le respect de la dignité humaine, et donc le respect de la dignité humaine qui passe par ne pas laisser en prison des personnes qui ne savent même pas qu'elles sont en prison. Donc on a des patients qui rentrent déjà âgés en détention pour certains et d'autres qui ont vieilli en détention. Je sais bien qu'on est des détenus, mais enfin on est des malades aussi. Hein. Je sais ce que c'est la détention, on est beaucoup mieux ici. Hein. Mais pourquoi finalement vous êtes mieux ici, puisque vous êtes quand même dans un lieu de détention, qu'à l'extérieur libre? Et en fait, la personne avait répondu parce que ici, je me sens respectée. Oui, c'est vrai. Et ça, je pense que voilà, c'est extrêmement touchant et c'est. Mais ça va mieux, oui. Ça va mieux. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que ça va mieux? Ben, on s'occupe de moi. Je veux dire, c'est ça va mieux. C'est difficile de soigner parfois ben, des gens. On connaît ce qu'ils ont fait, hein, mais vraiment, je leur dis chapeau de réussir à voir l'homme avant de voir
aussi le détenu, quoi. Vous vous sentez comment ? Et c'est vrai, quand on parle de bien-traitance, de dignité, toutes les valeurs qu'on défend, parfois on se heurte aussi à des comportements qui ne sont pas forcément nos valeurs à nous. Et en tout cas, je trouve qu'on fait un beau métier. Petit à petit, on y arrive. Et certains ne sont pas plus dangereux que les autres patients. Hein. Ils ont, pour certains, fait des délits extrêmement mineurs, qui ne nécessite pas une attention particulière. On va donner certaines informations, mais on va être sur un équilibre entre ne pas tout dire et en dire suffisamment pour mettre en confiance la structure qui va accueillir. Nos patients n'ont pas de revenus pour la plupart. Hein. Donc effectivement, on est vraiment dans le circuit des EHPAD publics. On travaille beaucoup avec des associations, des EHPAD à but non lucratif, donc gérées par des associations. Donc il faut leur faire comprendre tout ça et puis de temps en temps aussi leur rappeler la vocation sociale que ces structures ont aussi à avoir, que nous avons et que nous assumons parfaitement, mais que aussi à un moment donné, ils sont un certain nombre d'ailleurs à les avoir. Alors derrière les grands discours, il faut qu'à un moment donné, qu'on rentre dans le concret et que ça se traduise en acte. Et l'acte d'avoir une vocation sociale, c'est d'admettre un patient détenu qui effectivement a vocation à redevenir un simple patient, non plus détenu, mais un simple patient à l'extérieur, dans le droit commun. Quand je suis arrivé à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, j'étais presque mort. Et là-bas, ils t'ont remis un peu sur pied ? Non, pas un peu, beaucoup. Parce que, bizarrement, c'est une très mauvaise idée de tomber malade en prison, mais paradoxalement, c'est en prison qu'on m'a soigné le mieux. Entre Fresnes et la Pitié, j'ai été bien soigné. Je discute pas là-dessus. Il fallait que l'hôpital pénitentiaire de Fresnes me trouve un établissement compatible avec ma maladie. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup d'établissements en France qui sont aptes à recevoir des gens atteints de sclérose en plaques. Donc j'ai fait ma demande de suspension de peine qui a été acceptée. À condition que la SPIP de l'hôpital de Fresnes me trouve un hébergement. Et c'est la directrice de la Croix-Rouge qui est venue me voir dans ma chambre à Fresnes. On a discuté. Et elle m'a dit, dès que j'envoie votre dossier à tous les EHPAD de la Croix-Rouge de France, et on verra qui vous répondra. Et c'est JV qui m'a répondu. J'y vais, j'y suis. Ici, c'était, pour ainsi dire, mon dernier espoir. Autrement, il ne me resterait plus qu'à apprendre à être devant et coucher devant, quoi. C'était très dur. Je suis toujours dépendant de quelqu'un, quoi que ce soit. Alors, en décembre 2019, j'ai eu un AVC. Donc, tout le côté gauche, paralysé. Et ça, tu as eu ton AVC, tu étais en détention. Oui. En pleine nuit. Ils s'en sont aperçus le matin à l'ouverture des portes. Après ce que j'ai entendu, je suis resté un mois dans le coma. C'est pas évident de l'accepter. Pour un moment, ça a été très dur. Et maintenant, j'ai fait avec. Ce sont deux résidents qui viennent du sud-ouest. Ils ne sont pas originaires, donc ils sont dans les Ardennes, à la frontière belge. Donc on est vraiment à l'extrémité. Monsieur a, je pense, une forte envie de retourner dans ses terres natales. Monsieur nous a fait part, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux mois en fait, de son envie de rester chez nous. Je me suis fait deux copains. Il s'est lié d'amitié, il a créé des liens très forts avec certains résidents et il s'est trouvé des nouvelles qualités et un nouveau but en fait. Quand on tombe malade, de toute façon, on voit la vie autrement.
Normalement, là, au bout d'un an, un an et demi. Mais bon, la SPIP ce matin m'a dit, il y a un an que vous êtes là, vous pouvez faire une demande pour rapprochement familial. Non, j'ai dit non, je reste ici. Je suis bien ici. Ils ont leur logement, enfin leur chambre au sein de l'unité des personnes handicapées vieillissantes. Et pour tout ce qui est reste de la vie quotidienne, en fait, ils sont totalement intégrés au reste des résidents. Que ce soit au niveau des activités, au niveau des sorties, au niveau de la restauration, de l'alimentation et au niveau de l'amitié même qu'ils ont pu déployer au sein de l'établissement, ce sont des résidents comme les autres. La seule petite différence qu'il peut y avoir par rapport à un résident lambda, c'est le suivi socio-judiciaire. Voilà, à voir et à mettre en place avec eux. Ne pas oublier les rendez-vous SPIP, les rendez-vous tribunaux, les rendez-vous psychologues. Voilà, tout ça, c'est un tout petit truc en plus, mais qui ne prend pas énormément plus de temps. Les deux qu'on accueille, ils cherchent juste à se réinsérer dans la vie et à être pris en tant qu'être humain et pas en tant que ressortissant de prison. Pour aller, ça va, c'est pour revenir. Ah ben, parce que, apparemment, les détenus n'ont pas, comment pourrait-on dire ça, bonne presse. Je n'étais pas à l'aise, en plus, je suis arrivée après. Je n'étais pas trop à l'aise avec ça. Ce n'était pas une question de peur, hein. C'était. Il fallait que je sache, en fait. Voilà. Mais bon. Vous pouvez être potentiellement dangereux. Et est-ce que tu es dangereux, toi? Ben, comme vous me voyez là, non? Enfin, je pense pas. Ça se saurait sinon. Mais nous, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour démontrer que, enfin, il faut pas avoir peur. Nous, on est là pour démontrer que ça se passe extrêmement bien et que ça apporte beaucoup en fait au sein de l'établissement. C'est différent. On n'a pas vraiment que des personnes âgées d'un âge assez avancé où là, la prise en charge, elle est, je veux dire, globalement plus lourde. C'est vrai que c'est pas pareil au niveau de la relation, de la communication. Elle n'est pas pareille non plus. Hein. On discute plus d'autres choses avec eux. Donc, ce qui est vraiment différent. Donc, c'est chouette. Hein. Ah, mais non, le personnel est sympa. Ah, le personnel est sympa. Un paysage façonné par le vent, l'eau et l'homme. Qu'est-ce que vous pensez des couleurs? C'est toujours impressionnant et intéressant. Mm-hmm. On peut voir les hautes. Tout ce que les gens font pour nous, c'est super. Voilà. On dirait un mignon. Ah oui, c'est ça. Merci. Ah oui, c'est personnage. Ils sont mignons, les mignons. Là, en ce moment, je joue à Def Jam for New York. Moi qui suis hard rocker, je me frite avec des rappeurs. Oh yes. Avec monsieur. On a eu de la chance qu'ici on nous accepte. On a eu de la chance. Alors bon, être méchant, ce serait stupide. Quand on a besoin d'autrui, il y a un minimum de respect à avoir quand même. On n'a pas eu besoin de poser des questions, c'est eux spontanément qui nous ont expliqué qu'ils sortaient de prison et voilà. Et dès le début, on leur a dit, ben, nous, il n'y a pas de... On ne veut même pas savoir pourquoi vous êtes là, voilà quoi. On les briefe sur leur état de santé, comme pour tout résident. Il n'y a aucune connaissance de la raison pour laquelle ils ont eu une peine de prison. Ça reste confidentiel. On va appliquer, s'il y a des mesures de restriction qui ont été ordonnées, on va les appliquer et on va en informer le personnel soignant. Et après, pour tout le reste, ça se fait comme pour tout autre résident. Ben vous savez, on est peut-être confronté à des résidents qui ont fait des choses pires dans la vie et qui n'ont jamais été jugés comme ces deux gens-là. Et tout le monde est pris en charge de la même façon. Ça change de la détention? Oui. Déjà, on peut sortir. L'intérêt d'avoir un EHPAD situé en plein centre-ville, c'est de pouvoir avoir voilà, les commerces, les restaurants et tout ça, et aussi de pouvoir profiter du marché qui se passe tous les vendredis matins. Et les résidents sont très attachés à cette sortie. Oui, mais au début, j'ai été un peu parano. Parce que j'ai été condamné pour une affaire bien particulière. Tout seul, je ne voulais pas sortir tout seul. Bon, avec l'aide de Madame Heller, elle m'a un peu motivé.
ça fait du bien de voir les gens un peu. Ça fait rêver les gens, là. Je suis en liberté totale, libre de mes mouvements, comme on dit. J'ai eu l'occasion de sortir deux jours et je reconnais, ça fait du bien au moral. Ils vont au restaurant, ils vont manger une glace en terrasse, sur le marché. Donc non, ils sont demandeurs de tout ça. Et puis quand on peut les accompagner, on les accompagne volontiers. Ouais. Les deux personnes sont bien conscientes des restrictions. Ça a été travaillé en amont avec eux. Ils sont aussi libres de sortir à l'extérieur, comme n'importe quel résident. Et là, une fois qu'ils sont à l'extérieur, ils font exactement ce qu'ils veulent. Donc, c'est à eux d'être responsables. On s'est côtoyés pendant un an. Et elle est partie il y a à peu près un mois. Ça a été très dur pour moi. Monsieur B, il a pleuré quand une résidente est décédée parce qu'il s'était lié d'amitié avec elle. Et on voyait bien qu'il avait de la peine. Beaucoup d'émotions. Ouais. Oui, mais beaucoup de cœur. C'est une nouvelle vie. Et on efface ce qui est derrière. C'est une page blanche. Ça m'a fait un peu bizarre parce que... au début, il y en a certains, ils ont eu peur de moi, parce que bon, le moustache au chapeau, c'est quoi ce mec? Avec les résidents, c'est particulier, parce que il faut savoir s'adapter à la personne à qui vous parlez. Parce que bon, c'est pas de la méchanceté, c'est une réalité. Ils ont tous une pathologie différente. J'ai mis un peu de temps, mais... maintenant, même les mamies de 97 ans, elles me parlent. Pour une once de diamant, champagne qui fait filer tous les cœurs, quand une petite fille dit à rien au bon Dieu. En Europe, il faut s'occuper des nouvelles pauvretés. Et les nouvelles pauvretés, c'est vraiment ceux qui n'ont pas de solution, ceux qui n'ont pas de dispositif, ceux pour qui la société ne prévoit rien en termes d'accompagnement. Et donc, la mission des frères, c'est d'aller toujours vers les plus démunis. Et donc, ça nous a confortés dans notre volonté de poursuivre la démarche d'accueil des sortants de prison âgés. Bon, je sais que j'ai fait des bêtises, bon, c'est passé. Maintenant, pour le président et l'avenir. C'est ma famille. Je me reste en Corse. Ils me prenaient, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas voulu me prendre. On verra ça plus tard. N'oublie pas. Voilà, alors donc je suis là. J'étais à la rue. Et quand j'étais en détention, ils ne voulaient pas que j'aille habiter chez ma sœur parce qu'elle était en curatelle. Et c'est là qu'ils m'ont dit qu'il faut rester un an de plus pour me trouver une structure. C'était pas d'être toujours accueilli depuis son ouverture des personnes pauvres, nécessiteuses et particulièrement ceux qui ne trouvaient pas de solution ailleurs. Et on poursuit cette tradition, cette mission. N'ayez pas peur de vous.
Nous, on est un lieu de vie. On est un lieu de vie. On offre un possible à la sortie de l'incarcération, quel que soit le motif de l'incarcération. On a 5 unités de vie réparties en 3 pôles. Un pôle gérontopsychiatrie, un pôle neurodégénératif, puis un pôle errance autonomie pour les personnes issues de la rue et plus autonomes. Les résidents issus du milieu carcéral sont accueillis sur l'ensemble des unités en fonction du profil et de l'accompagnement médical et du suivi. L'établissement est habilité à l'aide sociale pour la totalité de ses lits. Donc ça veut dire que nous, le revenu n'est pas un critère d'admission ou de non-admission. Par contre, il y a une construction de dossiers administratifs à travailler avec le SPIP de manière à ce que la prise en charge à l'aide sociale soit effective au moment où le résident arrive au sein de l'EHPAD. Eh bien, ça casse les a priori. Ça casse les a priori parce que nous, en tant que cadre, on est amené à se déplacer en prison pour aller visiter ces détenus qui postulent pour venir ici. C'est ça qui est bien, c'est que on vient vous voir quand même en détention. Hein. Et puis ils m'ont demandé si ça m'intéressait de vivre en communauté, dans une maison de retraite. Mais oui, j'ai dit bien sûr, oui. Parce que moi j'ai vu la SPIP, Mamie Sartel en prison. C'est comme ça que j'ai atterri ici. Je suis resté 2 jours et une nuit, puis là j'ai dit tiens, c'est pas mal. Ça. J'ai vu qu'il y avait le grand parc et tout. Déjà, on va faire une première visite, une visite de préadmission, une deuxième aussi, quand ils sont issus du milieu carcéral, pour pouvoir déjà avoir une première approche avec l'équipe, avec les autres résidents, voir un peu l'environnement où il allait être admis. Donc ça, si on peut le faire, on le fait, déjà en amont. Vous êtes arrivé, monsieur ? Oui. Si chaque EHPAD de France prenait un sortant de prison, le problème serait résolu. On ne choisit pas les personnes. Hein. Ah, non, non, on n'est pas sélectif. Nous, ouais, alors, il y a une notion très forte dans les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, très discutée aussi, parce qu'elle a des modalités difficiles de mise en place, c'est l'accueil inconditionnel. Et la question majeure était, est-ce qu'on informe du parcours et du pourquoi de l'emprisonnement ou pas ? On a été un petit peu en difficulté au niveau de l'espace éthique ici, donc on a saisi notre instance nationale propre Saint-Jean-de-Dieu, et la préconisation était de dire on ne dit pas les raisons pour lesquelles la personne a été incarcérée. Quand on les présente par exemple une semaine avant l'arrivée, et on va leur dire qu'ils viennent du milieu carcéral, mais on ne va pas sur le terrain du motif d'incarcération, parce que ça peut biaiser l'accompagnement. Le premier réflexe, bien sûr, c'est de se dire « Ah bon, et qu'est-ce qu'il a fait ?» Les équipes sont étonnées par les parcours de vie. Et pourquoi est-ce qu'il vient ici ? Et pourquoi est-ce qu'il vient ici ? C'est parce qu'il n'est plus adapté à la détention. Parce que sa vie là-bas n'est plus digne, n'est plus humaine. Moi, je ne veux pas savoir. En ce qui concerne, en fait, sa pathologie, oui, pour la prise en charge globale. Bon, en tant que soignant, on ne juge pas. On ne doit pas juger. On ne sait pas les raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés non plus. Et voilà, on... De toute façon, on ne cherche même pas à savoir. On ne cherche pas, on est dans l'accompagnement et c'est comme ça. Le parcours de vie est une chose, ouais, ok. À un moment donné, il y a eu un accro, un passage en prison, une sortie et le droit à l'oubli. On est des êtres humains, hein. Je ne suis pas si mauvais que ça. On a souvent le cas de détenus qui vont se confier à des soignants. Et c'est bien normal parce que les soignants font partie de leur intimité. Je n'ai pas été un mec gentil. Donc j'ai fait le maximum. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose de difficile à vivre pour eux parce qu'ils peuvent être confrontés à des histoires qu'ils ne peuvent pas cautionner moralement. Et alors ce qu'on leur dit dans ces cas-là, c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce que fait une personne et ce qu'est une personne.
Voilà, ça fait partie de notre code de déontologie, de soigner et d'accompagner sans discrimination. Donc c'est... voilà, on arrive à... Après, c'est pas forcément facile, hein. Je dis pas, hein, mais... tout ce qui touche aux mineurs, des choses comme ça, où forcément, on se projette dans notre entourage. Les soignants sont pas forcément au courant de tout ça, donc ça aide aussi à garder cette distance-là. Vous avez l'exemple de, voilà, de la pédophilie. C'est quelque chose d'inacceptable dans la société. Mais on se rend compte que la manière de vivre et de construire une relation avec quelqu'un, si on met de côté ce qu'elle a pu faire à un certain moment de sa vie, bon, on arrive à la traiter avec tout autant de dignité que n'importe qui. Il y a des délits qui vont nécessiter une prise en compte peut-être un petit peu plus importante. Voilà, cela, bien entendu, il va falloir, dans le cadre des activités que l'on propose, et notamment intergénérationnelles, nous, on ne fait plus rentrer de personnes de moins de 18 ans pour des activités de partage et d'échange. Voilà, on le sait, on sécurise tout le monde. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Bien souvent, ils sont en rupture aussi. Hein. Et rupture du fait de l'absence due à l'emprisonnement, mais rupture aussi judiciaire et obligation de ne pas rentrer en contact, et etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a peu de visiteurs. Mais nous avons la chance d'avoir, nous, un SPIP dédié complètement qui vient tous les mois. Comme quoi que la maison, elle est habituée à recevoir des gens qui sortent de... Deux points essentiels, le droit au risque et le principe du droit d'aller et venir, hein, qui sont pour nous prioritaires dans notre projet d'établissement. Ils ont le droit de fumer, de boire, il n'y a aucun souci. Franchement, ils se sont bien intégrés. Après, on essaye d'échanger avec eux pour avoir plus de renseignements sur eux, qu'ils aiment faire et tout ça, pour pouvoir monter des projets avec eux. Ce qu'on a pu mettre en place et expliquer aux soignantes, c'est qu'il fallait aller à son rythme et accepter qu'ils soient aussi dans le refus de soins pour pouvoir créer petit à petit cette relation de confiance et qu'ils puissent s'intégrer et s'acclimater au sein de l'unité, en fait. Il faut aller petit à petit. Enfin, au début, on... Tu crées un lien. Voilà, mais c'est vraiment petit à petit, il ne faut pas les forcer. S'ils ne veulent pas venir, ben voilà. La prison laisse des stigmates incroyables. Et on a eu des cas où ils ne sortaient pas de leur chambre qu'ils considéraient comme leur cellule. Et ce qui fait qu'il faut qu'ils réapprennent le droit commun et la vie dans le droit commun et la vie dans le collectif autrement qu'en prison. On construit le parcours avec ses spécificités, les spécificités de son passé. Tu connais Mabi ? Continue. Il n'y a rien qui me plaît et rien qui ne me plaît pas. Quand il est arrivé chez nous, ça a été très compliqué parce qu'il est encore dans ses rituels du milieu carcéral, puisqu'il y a des habitudes qu'on ne peut pas perdre après plus de 40 ans d'emprisonnement. Il ne comprenait pas tout l'accompagnement qu'il pouvait y avoir autour de lui. Et petit à petit, il commence à s'ouvrir et à être dans l'acceptation de cet accompagnement-là. À l'époque, il soulevait 350 kg au développé couché. Maintenant, vous allez le voir, il a eu deux AVC. C'est un vrai rescapé. C'est moi en prison. Je me suis relevé. Le menton, il passe et puis il fait la ronde. Il fait la ronde de nuit. Vous savez que c'est une ronde de nuit. Bon. Il m'appelle. Il voit par terre les bras en croix. Il était mort. Il était mort depuis une demi-heure. Il revient, il appelle les pompiers, il appelle tout. Et bien, tout le monde est le docteur. Il est mort. Il a le visage de la mort. Et là, je me réveille. Je me réveille, on peut dire. Je me réanime. Et il dit à l'hôpital qu'il ne veut pas. Alors il dit,
Eh bien, allongez-vous sur le lit, vous verrez demain. Le lendemain, je me lève, je me sentais en pleine forme, et bam, deuxième fois mort. Pas beau, ça, deux fois mort. Même pas que Jésus-Christ est arrivé. Et comment vous avez été accueilli ici? Bien. Bien. Et vous êtes bien ici? Non. C'est pas moi qui ai demandé. C'est pas votre choix? Putain, je comprends rien. Pour moi, c'est une prison améliorée. Mm-hmm. Mais les gens sont gentils. Hein. Ils sont aimables et tout et tout. Une prison, c'est une prison. Tandis que là, les mecs, ils sont malades. Oui, ils sont en plus de rémission. Oui, ils vont mourir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est compliqué un peu. Parce qu'il y a beaucoup de malades. Hein. C'est ça. Tu ne peux pas les raisonner à... comme moi. Quoi. Les soignantes n'ont pas plus de mal avec un résident psy qui peut décompenser qu'avec un sortant de prison. Après, on repose le cadre, on est sur une posture professionnelle qui doit être adaptée. On a plutôt tendance à remarquer qu'ils sortent d'un cadre très serré et ils ont tendance à respecter les règles à la lettre. Si vous voulez, le cadre leur apporte une sécurité aussi. C'est un ouf de soulagement. J'ai dit, ça y est, mon grand, t'es sorti de l'affaire pour le moment. De plus entendre crier, taper dans les portes, oh là là, mon Dieu. Ah, j'ai ça, j'étais traumatisé, moi. Ça m'a servi de leçon, vous savez. J'ai fini ma peine ici, il me restait même mes obligations de soins, c'est fini. J'ai plus l'épée de Damoclès sur la tête. Et résident travailleur, il fait un peu de cantonnage tous les matins, ramassage des papiers, etc. Par ce biais-là, il a commencé à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à l'équipe. Et puis maintenant, bah, il est super à l'aise. Oh, je suis connu ici maintenant, moi. Bah oui, c'est, je ne sais pas si c'est le fait qu'on m'appelle Mouloud. Avant, tout le monde m'appelait Jean. Hein. Il est dans l'échange et il est dans la construction de son futur, puisqu'il veut retourner... vers ses proches et... Eh ben, moi, c'était de remonter rapprochement de famille, familial. Comme je suis de Saint-Étienne, dans la Loire, ce qu'il y a, c'est que j'en ai parlé à la direction. Et je ne veux pas mourir ici. Et là, on est en train de rechercher une... mais pas un EHPAD, un foyer résidence. Ben moi, je pensais partir l'année prochaine. Le projet, c'est de retourner dans le Var. C'est bien, parce que ça me manque. Toute la famille de mon père et ceux de ma mère sont morts dans le Var. Je n'ai pas mouru. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si bonne. Serre-moi fort contre ton corps. Arrête la douleur, c'est lourd. Ah, Johnny, c'est. Quand ça va pas, on écoute toujours des chansons de Johnny pour nous remonter le moral. Ah ben on s'y attache quand même à ces résidents-là. Donc on est soulagés, on est fiers de les avoir accompagnés jusque-là. Sur les anciens détenus, on a eu deux retours au droit commun total. Deux retours au droit commun total et les autres finissent leur vie ici. Voilà. Le but de l'établissement, c'est qu'il y ait une vie spirituelle. Alors, la chapelle y participe. Mais voilà, il y a des frères qui vont accompagner à la synagogue des résidents de confession juive. Il y a un imam qui est à côté, qui intervient régulièrement sur l'établissement. Le but, c'est qu'une personne, qu'elle ait une spiritualité ou pas, si elle fait le choix ou la demande
d'avoir un accompagnement sur le point de vue-là, elle a le droit de l'avoir. Et peu importe qu'elle soit détenue ou pas. Eh bien, voyez, il y a M. Labbé qui est là, là. C'est lui qui m'a élevé. Oui, parce que tu n'as pas de parents, toi. Non, j'étais 20 ans à la DAS. Je sais que, comme il croit en Dieu, il faut toujours, comme il a dit Jésus, toujours le bon chemin. Le mauvais, tu le laisses de côté. Il a été positionné avec son accord dans l'unité des frères âgés et il aide au quotidien. Il ouvre la chapelle tous les jours et il participe beaucoup avec le service animation, donc totalement intégré. Je prépare les petits déjeuners pour les frères, pour nous, le midi et soir. Parce que les frères, ils ont du mérite. Je lève beaucoup de chapeau parce qu'ils ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Il faut avoir une action sur les personnels, qu'elle soit éthique, d'accompagnement, de sécurisation, voire de rencontre avec le système pénitentiaire, etc., de information, formation. Voilà. Ça, c'est clair, tout ça, il faut le préparer. Il faut encourager ces trucs-là. Je pense qu'il y aura moins de récidives. Et puis le deuxième aspect, c'est la crainte de la récidive. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est humain. Mais aujourd'hui, les statistiques sont relativement claires, c'est 3%. Et nous, sur les 26, 1 à récidiver. Donc le conseil, c'est prendre son temps, dialoguer et partager en équipe. Après, il faut s'engager d'un point de vue humaniste, éthique, moral, pour dire, on participe, nous, à la résolution de cette difficulté de société qui est l'accueil des sortants de prison âgés. Il y a des résidents âgés qui meurent en prison. Enfin, un peu. Les cancers qui meurent en prison. Alors, humainement, je pense qu'on peut faire autrement. L'hospitalité, c'est l'affaire de tous. C'est sacré. Les gens malades, on peut leur laisser. On doit pouvoir leur laisser une chance de sortir du système carcéral. Faut pas avoir peur des gens malades.